Heureux de vous retrouver, fidèles téléspectateurs, pour ce nouveau numéro de ce journal consacré exclusivement à la campagne électorale. Débutons avec le président honoraire Joseph Kabila Kabange, qui, avec le PPRD, demeure constant sur leur position. Ils se disent ne pas être concernés par ce processus électoral qu'ils estiment totalement biaisé et chaotique. Le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Lucain Kasongo, apporte un démenti formel sur un quelconque soutien de Joseph Kabila à Moïse Katumbi pour les élections présidentielles de décembre. Suivez. Le PPRD n'est pas concerné. Le PPRD ne peut pas accompagner, ne peut pas crédibiliser ce processus chaotique qui est de nature à embraser le pays si on y prend garde. J'ai suivi même dernièrement un député national, Eliezer Ntamboué, qui voit l'ombre de Kabila partout. C'est normal, Kabila, ce n'est pas n'importe quelle personnalité politique, n'est pas quel leader dans ce pays. Il n'y a personne qui a l'expérience que Kabila aujourd'hui. Et tout le monde, s'il n'a pas encore cité Joseph Kabila dans ses dires, il n'a pas encore atteint l'objectif. Il pense que la recette de nom de Kabila paye encore. Kabila n'est pas un fonds commercial, Kabila n'est pas une recette électorale. Il dit même Kabila et Moïse se rencontrent chaque jour, ils parlent chaque jour. Comme si les deux n'ont rien à faire à part des rencontres. Ce processus ne nous rassure pas et nous ne pouvons pas nous contredire. Seul l'avenir va donner raison à Joseph Kabila et à sa famille politique. Nous avons décidé, nous sommes cohérents dans tout ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas nous contredire. Au contraire, chaque jour qui passe, les gens nous donnent des raisons. Même ceux qui accompagnent ce processus ne sont pas... Certains ne sont pas confiants de ce processus. Le bureau de Kadima a échoué sur toute la ligne. La fois passée, vous avez entendu les députés de l'UDPS, le prof Chilumbu, qui a dit qu'il n'y a pas de carte d'électeur. Il demandait qu'on puisse, les jours d'élection, qu'on puisse tout ravir incendier ou brûler, selon lui-même. Kabila a organisé les élections en 2006, a organisé les élections en 2011, a organisé les élections en 2018. Mais vous voyez vous-même qu'il n'y avait pas de problème au moment de rallongement, il n'y avait pas de problème au moment de dépôt de candidature, il n'y avait pas de problème des listes électorales. Aujourd'hui, tout est au rouge. Donc, la famille politique de Joseph Kabila, dont le PPRD et le FCC ne sont ni de loin ni de près concernés par ces semblants d'élections. En parlant du candidat numéro 3 à l'élection présidentielle, Moïse Katumbi Tshapoué, et à la conquête des électeurs dans l'espace de Grand Équateur. Il est arrivé le lundi dernier à Gbadolité, dans la province du Nord-Ubangi. Moïse Katumbi a marché à pied pour se rendre compte de la souffrance de la population. Il leur a promis de rouvrir l'usine de Coca-Cola, résoudre le problème d'eau et d'électricité dans cette partie du pays. Suivez. Guadolite, cette ville du Nord-Ubangi, était à l'assaut de la campagne électorale du candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi Tshapoué, lors de sa triomphante tournée électorale sur l'étendue du territoire national. Il s'est rendu le lundi 4 décembre 2023. Ondine fils du pays par le son et les offres, il a été accueilli avec faste mémorable par la population nord-ubangaise. Le chairman Katumbi, par sa présence dans la ville des Guadolites, a redonné l'espoir longtemps perdu à son peuple durant 5 ans de promesses somnifères. Au revoir.
Solidaire aux souffrances de la population, Moïse Katumbi s'est proposé de libérer tous les malades retenus au centre de santé de référence des Guadolite en payant cash leurs dettes. La visite s'est étendue au barrage de Mobaï Bongo, visitant les sinistrés dont le débordement a causé de nombreux dégâts. Le numéro 3 a encore fait parler de sa légendeur compassion. Après le nord Ubangi, à Guadolite, Moïse Katumbi est arrivé à Gemena, dans la province du Sud-Ubangi. Ici, le candidat numéro 3 à l'élection présidentielle a été accueilli comme un roi, accompagné de son nouvel allié, Déli Sesanga. Suivez. La ville de Gemena a vécu une ambiance toute particulière dans l'avant-midi du lundi 4 décembre. Le chairman Moïse Katumbi, candidat numéro 3 à la présidentielle, accompagné de son nouvel allié Déli Sesanga, a foulé le sol du sud Ubangi, chaleureusement accueilli par les habitants de ce coin du pays. Le candidat président numéro 3 a parcouru des kilomètres, accompagné d'une foule immense en liesse, venue écouter l'espoir numéro 3, le chairman. Paris réussi, une véritable démonstration de force pour le numéro 3 à l'élection présidentielle, Moïse Katumbi Chapwe, qui reste très déterminé à briguer un mandat à la magistrature suprême. Le candidat numéro 23 à la députation nationale et 36 au provincial, Maître Ekapoulousi Hugue, était le lundi 4 décembre dernier à l'écoute de sa base. À eux, il a promis d'apporter des solutions à leur doléance. Suivez. Ce lundi 4 décembre était une journée chargée pour Maître Hugue Ekapoulousi, candidat numéro 23 à la députation nationale et 36 aux législatives provinciales. Il a fait la ronde de quelques-unes de ses bases d'Idiofa. Partout où il est passé, c'était la joie et l'euphorie. Ce digne fils d'Idiofa s'est soumis à un exercice, écouter les doléances des différentes communautés. Sur place, il a promis des réponses satisfaisantes. Pour preuve, nous avons un siège qui est la fondation qui a fait l'Idiofa. Après, ça nous met à Bagana. Donc, il y a un problème. Fondation qui est là. Vendant sur le monde, il y a un monde qui est là. Nous sommes là, il y a partout, il y a un téléphone. À travers la fondation qui porte son nom, les doléances de la population seront enregistrées en vue d'une solution, cas des lauréats du secondaire qui auront droit aux bourses d'études, comme ce fut déjà le cas pour d'autres. Le ticket de l'UMC est membre de l'Union Sacrée qui entreprend déjà des actions palpables avec ses propres moyens précises de vouloir embrasser la politique dans le but de contribuer au développement du territoire d'Idiofa et non pour un gain matériel. Ainsi, il invite la population à se désolidariser des acteurs politiques porteurs des discours démagogiques. C'est par ici que nous mettons un terme définitivement à cette édition de ce journal consacré exclusivement à la campagne électorale. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi et bonne suite de programme sur Digital Congo.